de ce qui s'est passé, de ces actes inqualifiables. Alors, que peut faire l'Église pour empêcher d'autres crimes? Le rapport Sauvé présente 45 propositions en ce sens. La première, c'est reconnaître la responsabilité de l'Église. Notre engagement, c'est qu'une personne qui parle soit reçue, soit prise au sérieux, soit et que sa parole soit suivie des faits. Il s'agit de pointer du doigt les agresseurs, mais aussi ceux qui savent, mais se taisent. On parle ici du secret de la confession, et la commission est très claire, il ne peut pas être au-dessus des lois. Après la reconnaissance, la réparation, sous forme d'indemnisation financière, évaluée au cas par cas, un organe indépendant serait chargé de l'arbitrage. Dans le rapport, il est aussi question de cellules d'écoute pour les victimes. Déjà en place dans les diocèses depuis 2016, le texte recommande de faire uniquement appel à des laïcs spécifiquement formés dans l'aide aux victimes. Concernant le recrutement des prêtres, la vérification systématique de leurs antécédents judiciaires est préconisée. De même pour toutes les personnes rattachées à l'Église, pour celles déjà mises en cause dans un dossier d'agression sexuelle, elles ne doivent plus être en contact avec des enfants ou des adolescents. Autre préconisation, la création d'un service de recueil, du traitement et de l'analyse des violences sexuelles au sein de l'Église, avec la mise en place d'un numéro vert. La question de l'ordination d'hommes déjà mariés a aussi été soulevée. Le pape François est très attaché au célibat des prêtres. Il avait rejeté l'idée en janvier 2020.